Bonjour à tous. Nous sommes à bord du Vélio, deuxième étape du petit périple Lyon-Orléans. On a fait encore 600-700 mètres près de dénivelé, 55 km, tranquillement. Voilà, c'était assez sympa. Bon, il y a une sacrée montée, hein. Le col de l'Escharmeau, c'était ouf. mais c'était sympa. Et le lac est magnifique, c'est moi qui pédale. En tenue sportive, bien sûr. Nous consommons en moyenne 14-15 watt-heure par kilomètre. C'est 10 fois moins qu'une petite voiture Zoé électrique qui fait 150 watt-heure par kilomètre. C'est 20 fois moins qu'un SUV qui fait de 2,5 tonnes, qui fait 250 watt-heure au kilomètre. Et c'est pareil, même pire. C'est 40 fois moins qu'une petite voiture thermique qui ferait genre 5,3 litres, voilà, et qui consommerait 500 watt-heure par kilomètre. Du coup, on consomme 40 fois moins, mais on va 40 fois moins vite, donc c'est sympa. Bon, je sais, on a roulé un peu vite, il y avait de la descente sur la fin, ça a un petit peu décoiffé le personnage, c'est pas très grave. Quand on voit les gens qui veulent décarboner leur vie, on sait que le moyen de transport, c'est quelque chose qui consomme énormément de carbone. Rouler seulement avec 14 watts, 15 watts heure par kilomètre, ça fait vraiment une grosse différence de consommation, et ça peut être vraiment sympa. Donc c'est chouette d'avoir une solution qui permet vraiment de consommer beaucoup moins. Bon, d'aller beaucoup moins vite, d'aller beaucoup moins loin, mais ça rappelle la vidéo que j'avais faite sur la voiture du futur, la 5M, moins vite, moins loin, moins lourd, moins cher et surtout moins confortable. Parce que justement, le confort fait qu'on a envie d'en faire toujours plus. Un immense merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce petit parcours, périple, pour nous héberger, pour nous suivre à vélo, nous rejoindre en cours de route, nous offrir à boire, à manger et de l'hébergement. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont rejoint cette aventure, qui se sont mis dans l'association bénévole pour améliorer et finaliser ce projet. Merci à tous ceux qui ont financé, qui ont fait des dons. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Ça, c'est vraiment super sympa. Moi, ça me donne en tout cas bon espoir que ce genre de projet puisse exister, pas que sur le déplacement, sur plein d'autres projets. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite du voyage. Bye.